Plus de 440 élèves venus des quatre coins de la France se sont réunis ce mardi matin, Stade Mazet à Carcassonne, pour le 10e championnat scolaire de France de rugby à 13. Et jusqu'à mercredi, tous ces jeunes vont s'affronter dans la bonne humeur. C'est d'abord l'occasion pour les enseignants d'éducation physique et sportive de partager deux jours de convivialité entre nous et de travailler pour un meilleur accueil. Les enseignants qui participent aussi, c'est la récompense d'un travail de toute une année avec une association sportive de collège. Donc c'est vrai que c'est une fête pour tout le monde, pour les enfants, pour les accompagnateurs. Et c'est un aspect important de ce championnat. Parmi les premiers arrivés, l'équipe de Limoux, championne l'an dernier. Un titre à remettre en jeu, c'est toujours du stress supplémentaire. Un peu concentré déjà pour le match cet après-midi. Bon, le trajet n'a pas été long. On a des bonnes conditions pour ce championnat de France. On s'est entraîné normalement, mais on se connaît vraiment beaucoup. Nous sommes joués ensemble en club. Donc, on a les repères en club. Donc, 10e championnat scolaire de France de rugby à 13. Des rencontres à suivre jusqu'à mercredi, Stade Mazet à Carcassonne.